Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un petit peu spéciale parce que ça va pas concerner la beauté. Donc voilà, je suis une youtubeuse comme tout le monde et j'ai ce problème là qui concerne malheureusement pas mal de monde, même si on ne l'admet pas toujours. Il s'agit de la transpiration. Voilà, donc la transpiration c'est un problème qui touche pas mal de personnes, selon le corps elle peut être plus ou moins forte, etc. Et donc j'ai une solution qui pour moi a complètement changé ma vie, c'est le cas de le dire, puisque grâce à ceci, je n'avais plus de problème d'odeur, parce que je suis une personne qui a une transpiration très forte, très acide. Et l'été, c'est pas très glamour d'avoir une grosse tache d'auréole sous les bras. Et donc grâce à ce que j'ai découvert, je n'ai plus ce problème-là. Ça l'a énormément atténué et je voulais vous en faire profiter parce que c'est tout simplement formidable. Donc il s'agit de la pierre d'Alain. Mais pas le déodorant à la pierre d'Alain, vraiment la pierre d'Alain. Donc ça se présente sous forme de pierre, comme ceci. Et pour l'utiliser, il suffit de la passer sous l'eau du robinet. Donc vous faites couler l'eau, vous passez dessous et vous vous le mettez sous les bras. Il faut répéter l'opération H pour chaque bras. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les garçons. Bon, je vous conseille quand même d'en avoir deux en tant qu'après rasage pour soulager les brûlures du rasage. Je vous conseille d'en avoir deux parce qu'une fois que ça a été sous vos bras, vous le mettez sur le visage, c'est peut-être pas très hygiénique. Et ça peut aussi marcher très très bien pour la transpiration des pieds. Voilà, je ne l'ai pas testé mais je sais que ça marche bien. Donc c'est une pierre d'Alain, vous avez plusieurs marques, vous pouvez la retrouver en grande surface ou en pharmacie et parapharmacie. J'ai aussi comme ça et ça se soulève, mais celle-ci est complètement morte, je l'avais gardée pour la vidéo. Sinon c'est une pierre comme ça, c'est une pierre dure, ça ne sent absolument rien. Si vous souhaitez avoir quand même une petite odeur, parce que du coup on n'a pas l'odeur de déodorant, vous pouvez mettre de l'huile essentielle sur la pierre d'Alain pour la parfumer. Moi je le fais pas, c'est pas nécessaire, je m'en fiche, j'ai mon parfum. Ou sinon je mets un petit coup de déodorant sur mon vêtement en fait, pas directement sur l'aisselle, parce que si vous mettez du déodorant, l'effet de la pierre d'Alain ça sert plus à rien au final. Donc cette petite pierre d'Alain, elle est sans conservateur, sans alcool, sans parfum, sans chlorohydrate d'aluminium, 100% naturel et écologique. Donc c'est vrai que c'est très écologique, c'est vraiment super. J'achète plus de déodorant. Bon là il me reste deux bouteilles à finir que j'avais achetées il y a longtemps, donc je les finis en les mettant sur mes gilets, tout ça. Et ça vous coûte entre 5 et 8 euros. N'essayez pas de mettre plus dans une pierre d'Alain, ce serait du gaspillage. Ouh, moi je l'ai eu celle-ci pour 8 euros et elle est la garantie et elle est utilisable un an. Donc pendant un an, j'ai pas besoin d'acheter de déo. 8 euros pour un an, c'est juste trop bien. C'est des économies, sachant qu'une bouteille de déodorant, moi celle que j'utilise, c'est la marque Fa. Ça monte quand même. Et donc j'ai trouvé ceci. Franchement, essayez-le, ça vous coûte rien. Dans tous les cas, ce sera que du bonus. Je l'utilise tous les matins, j'ai plus d'odeur, parce que c'est vrai que quand je suis en cours, c'était très gênant, j'osais même plus lever les bras parce que je me dis mon voisin va me sentir, que je sens la sueur. Quand quelqu'un dit la classe, ah, ouvrez les fenêtres, ça pue la sueur, je me sentais aussitôt visée. Et là, je n'ai plus de problème d'auréole. Donc, je peux lever le bras pour donner ma réponse sans avoir une auréole. Ça les atténue, ça ne les fait pas partir. Donc, moi, ça les a fait disparaître. J'en ai de temps en temps, mais vraiment tout petit, quand il fait genre 40 degrés. Et ici, ça arrive très, très rarement. Donc, voilà, c'est que du plus. Donc, je vous conseille d'essayer si vous avez un problème comme moi de transpiration. C'est pas très glamour, mais il faut en parler. Et en parlant, justement, ben, j'ai découvert ceci qui m'a changé la vie. Voilà, je peux faire du sport, tout ce que je veux, sans sentir la sueur. C'est juste fantastique. Donc, moi, c'est de la marque Dermophile. C'est ma mère qui me l'a acheté, celle-ci. Donc, je sais pas, je crois qu'elle l'a eu dans un rayon grande surface. Voilà, sinon, allez directement en pharmacie, vous êtes sûr d'en trouver. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos impressions, si vous avez une pierre d'Alain, si vous avez testé, etc. Voilà, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous, bye!